Avant la déclaration des députés, j'aimerais informer la Chambre que les documents suivants ont été déposés. Un document sur les programmes sur l'itinérance en Ontario du commissaire du Bureau des finances de l'Ontario. Déclaration des députés. Je suis porte-parole pour la protection des jeunes à l'opposition. Et j'ai entendu des histoires, des témoignages troublants. Nous avons offert une protection auparavant. Et un de mes commettants a essayé d'avoir du soutien, mais cela a été ignoré. Ainsi, il y a eu des cas de moisissure dans le sous-sol de ce commettant. Il s'est retrouvé à la rue. Pourquoi est-ce que ce consommateur n'a pas pu être protégé? Comment est-ce que cela a pu se produire en Ontario? On lui avait demandé de refuser de porter plainte. Et sa situation est malheureusement trop commune. Il y a des agences qui devraient protéger les consommateurs et non protéger les grandes entreprises. Dan, mon commettant, veut continuer de militer pour les droits des consommateurs, pour que sa situation ne se répète plus jamais. Merci. Déclaration des députés. Député de Milton. Merci, M. le Président. C'est un plaisir d'être ici aujourd'hui. J'aimerais reconnaître le Club Rotary de Milton. Les bénévoles offrent des services dans la communauté et même sur une base internationale. Le Club Rotary et d'autres partenaires vont tenir un sommet en ligne. C'est le premier sommet des jeunes en ce genre. Et nous souhaitons que cela devienne un événement annuel. Le thème de cette année sera les chefs de file de demain. Ainsi, on offrira des formations pour les jeunes de 12 à 14 ans. On offrira également des services communautaires et de l'éducation. Nous invitons donc les jeunes à s'inscrire. En tant que père de 3 enfants, je sais qu'il est important de soutenir nos jeunes. Donc, je remercie tous les membres du Club Rotary de Milton et leurs partenaires pour leur contribution au quotidien. Merci. Déclaration des députés. Député de Toronto Centre. Merci, M. le Président. J'aimerais partager l'histoire d'un de mes commettants et de sa famille. Il y a de cela 15 ans, lui et sa femme ont déménagé dans un appartement grâce à une subvention. Ils étaient contents. L'endroit répondait à leurs besoins. Mais maintenant, ils se retrouvent encore dans cet appartement. Mais maintenant, ils ont 3 enfants. Leur plus vieux a un déficit de l'attention. Il est difficile de répondre à ses besoins dans un appartement si petit. Comme vous vous imaginez, à cause de la COVID-19, la situation est devenue très difficile. Mon commettant a tout fait pour militer pour sa famille, mais on lui a dit que la liste d'attente pour un logement plus grand est de 12 ans. Ils ont besoin d'un appartement plus grand pour pouvoir accommoder leurs 3 enfants. 12 ans, c'est beaucoup trop long. Leur enfant sera un jeune adulte lorsqu'ils pourront avoir un logement acceptable. Ils ont des amis et des voisins qui sont dans la même situation. Nous avons besoin d'investissements dans le logement social et nous en avions besoin hier. 12 ans d'attente n'est pas approprié. Je suis contente de soutenir mon commettant Mulhoud. Nous ne voulons pas laisser les familles en attente pendant des décennies. Déclaration des députés. Député de Peterborough-Carlton. Merci.
Le 21 octobre, j'ai présenté le projet de loi 220. Nous avons proposé la deuxième lecture quelques jours plus tard. Ce projet de loi voulait créer une médaille de reconnaissance. Cela voulait aussi une façon de se rappeler comment les vétérans autochtones ont été traités. Le 26 octobre, M. Waitong, un des vétérans autochtones, est décédé. Il a été une inspiration pour des générations de jeunes. Il l'était dans ma circonscription, par exemple. C'était un homme de peu de mots, mais il a laissé un grand héritage. Il trouvait le positif dans toutes les situations et on le voyait sourire. J'aimerais vous raconter une anecdote. M. Waitong a témoigné lorsque le projet de loi était discuté. Et il parlait souvent d'une de ses histoires. Après, un membre de la famille lui a demandé pourquoi il avait agi de la sorte. Et il a dit, « Mon avocat m'a recommandé de ne rien dire. » Le procureur général pensait qu'il était sénile, mais en fait, il ne voulait que faire rire la foule. Déclaration des députés. Député de Brampton Centre. J'ai eu l'occasion de participer à une rencontre avec la Chambre des commerces. J'ai écouté les inquiétudes de certains participants et des propriétaires d'entreprises ont parlé du manque de soutien du gouvernement provincial pour traverser la COVID-19. Ce n'est pas seulement lors de cette occasion dont nous en avons entendu parler. Une commettante, Stacy, a dit qu'elle voyait que les rues commerçantes avaient de la difficulté à survivre. Il y a également Sean, un autre propriétaire, qui a dit qu'il subit une perte des revenus et il ne sait pas si son entreprise pourra survivre. Il y a Tajmir aussi. C'est un chauffeur de taxi. Il dit qu'il n'est pas éligible au PCMRE. Et beaucoup d'entreprises disent la même chose. Ce ne sont pas uniquement les entreprises qui sont en difficulté. Les entrepreneurs sont au cœur de notre économie. Ils contribuent à nos villes. Les entreprises souffrent, mais également les modes de vie. Comme Tajmir l'a dit, il a encore des factures à payer. Son hypothèque, des frais de permis. Ainsi, le gouvernement doit agir et offrir un soutien financier direct pour qu'ils ne perdent pas leur foyer et leurs entreprises. Merci. Déclaration des députés. Député d'Ottawa-Sud. J'aimerais dire quelques mots par rapport aux travailleurs de l'industrie du service. Ces travailleurs collaborent au sein des communautés. Ils aident les plus vulnérables. J'aimerais les remercier au nom de tous les députés ici présents, de tous les Ontariens, pour le travail qu'ils ont fait. Ils gardent les gens en sécurité, les gens qu'ils servent. Ils les gardent en sécurité. Donc, nous sommes reconnaissants et nous espérons que le gouvernement va continuer d'offrir du soutien économique pour les services de développement en Ontario. J'aimerais remercier et dire au revoir à un employé. Il a travaillé à mon bureau de commettant. Il a travaillé pendant 9 ans. Il était une partie importante
de mon équipe. Il m'a amené énormément de soutien. Il est comme un fils pour moi. Il m'a aidé à améliorer mon arabe. Et nous savons à quel point c'est important. Donc, merci. Déclaration des députés. Député de Chatham. Comme vous le savez, je viens de la circonscription de Chatham-Kent-Lymington. Nous offrons d'excellents produits, des produits agricoles, comme par exemple des tomates, des poivrons, des aubergines. Et je vous invite à encourager. Nous offrons d'excellents produits à travers la province ainsi. Ainsi, pour offrir ces produits, nous avons des dizaines de milliers d'acres de serre. Les agriculteurs trouvent cela difficile d'obtenir de l'aide au niveau local. Donc, l'Ontario veut avoir 22 000 travailleurs étrangers cette année. Comme vous vous imaginez, garder ces travailleurs en sécurité en période de pandémie est difficile. J'aimerais annoncer à mes collègues que M. McNaughton et M. Hardiman ont mis en place des programmes et des procédures. Nous voulons nous assurer que ces travailleurs étrangers puissent recevoir les soins appropriés et qu'ils soient à l'abri de la COVID-19. C'est critique pour offrir des produits locaux. Donc, je veux dire un immense merci aux agriculteurs. Merci de continuer de travailler, même et ce malgré la pénurie de main-d'œuvre et malgré la pandémie. Déclaration des députés. Député de Niagara Falls. J'aimerais parler d'un important problème à Niagara, l'accès au vaccin. La COVID-19 nous a durement touchés. La COVID a provoqué le décès de 400 personnes dans ma région. Mais le gouvernement n'offre pas suffisamment de vaccins à Niagara. Où sont ces vaccins? La semaine dernière, on a essayé de nous convaincre que le Niagara avait reçu les doses prévues. Par la suite, il m'a accusé et a accusé les travailleurs essentiels de propager de fausses allégations. Mais le comité d'experts locaux du Niagara a écrit une lettre au premier ministre. Ils veulent avoir leur dose de vaccin. Ils veulent protéger la vie de leurs commettants. Un groupe de docteurs a affirmé qu'ils devaient recevoir 5 000 doses, mais le 5 janvier, cela n'a pas été le cas. Et on ne sait toujours pas où ces doses se sont retrouvées. Ce gouvernement croit peut-être que nous allons arrêter de poser des questions, mais ce n'est pas le cas. Nous ne serons pas silencieux. Les experts médicaux demandent des réponses. Que ce soit clair, peu importe comment le gouvernement essaie d'écrire l'histoire, la région de Niagara n'a pas eu assez de vaccins. Et des vies ont été perdues à cause de cela. Député, retirez votre commentaire. Je le retire. Déclaration des députés. Député de Durham. J'aimerais parler de l'expansion des services de soins palliatiques dans la région de Durham, à Port Perry en particulier. En 2019, j'ai été fière d'annoncer avec la ministre de la Santé à Port Perry un plan d'expansion pour la première maison de retraite. À l'époque, nous avons également annoncé 600 000 $ pour construire de nouveaux lits. Nous avions ainsi un tour d'investissement de 1,6 million de $. Et j'ai de bonnes nouvelles. La maison est finalement prête à être inaugurée au printemps. J'aimerais remercier Brent Farr, qui a été nommé le directeur exécutif,
la coordinatrice des communications. Et pour leur grande contribution, j'aimerais remercier Betty Hodgins des opérations, Dr. Steve Russell, qui sera le premier médecin, Dr. Stephen Gray, qui sera président, ainsi que les Kevin Morgan et Dave Sadoux, qui seront membres du conseil d'administration. Finalement, j'aimerais remercier la ministre de la Santé pour son grand soutien. Merci beaucoup. Député de Perth-Wellington. Monsieur le Président, je suis heureux de prendre la parole pour donner cette déclaration au nom de mon ami, le ministre associé de l'Énergie, qui a annoncé le vendredi dernier la construction d'un nouvel hôpital révolutionnaire dans ma circonscription. Il a dit, en tant que militant du nouvel hôpital de Markdale, depuis que j'ai été élu, je suis heureux de dire et d'approuver la construction qui est en cours. Le gouvernement de l'Ontario a investi 53 millions de dollars pour bâtir cet hôpital moderne à 4 lits par chambre, avec un département d'urgence 24 heures sur 24, des soins palliatiques et un laboratoire ainsi que des services d'imagerie. Je remercie la communauté locale qui a défendu ce projet au cours de 20 ans et des 20 dernières années et qui a réussi à investir 7 millions de dollars. Et je remercie les équipes de la Fondation ainsi que le maire Paul McQueen et ses conseils présents et passés. Je remercie mon ami et mon prédécesseur Bill Murdoch qui lui-même a milité pour cela pendant des années. Et ça a pris deux ministères de la Santé pour aider à approuver ce projet. Ça a pris deux projets de loi également et deux décennies. Et c'est le premier ministre Ford et la ministre Elliott qui ont répondu à cette promesse. C'est la meilleure nouvelle que mes commettants ont reçue et nous sommes très impatients du futur des soins médicaux dans la région et nous sommes prêts à célébrer quand ça sera sécuritaire de le faire. Merci beaucoup. Cela conclut le moment de la déclaration des députés et la chef de l'opposition officielle a un rappel au règlement. Oui, je demande le consentement unanime de la Chambre pour avoir un moment de silence pour honorer les 98 Ontariens qui ont perdu la vie à cause de la COVID-19. La semaine dernière, la chef de l'opposition officielle demande le consentement unanime de la Chambre pour observer un moment de silence pour honorer les 90 Ontariens qui ont perdu la vie suite à la COVID-19. Adopté, adopté. Thank you very much. Merci beaucoup. Les députés peuvent s'asseoir. Merci, Monsieur le Président. Je demande le consentement unanime de présenter une motion pour demander au gouvernement conservateur d'instaurer immédiatement les congés maladie payés pour protéger les travailleurs à Brampton et en Ontario pour ne pas qu'ils aient à choisir entre rester à la maison ou aller au travail pour payer leurs factures. Le député de Brampton Est a demandé le consentement unanime de la Chambre pour adopter une motion pour que le gouvernement instaure des congés maladie payés pour aider à protéger les travailleurs à Brampton et partout en Ontario. Adopté, j'ai entendu un non.